Si la plupart des policiers s'acquittent de leurs fonctions avec honneur et intégrité, certains ont trahi la confiance du public en se livrant à des activités illégales qui ont brisé des vies et érodé la confiance dans les forces de l'ordre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les histoires de ces policiers qui ont franchi la ligne, abusé de leur pouvoir et finalement obtenu ce qu'ils méritaient en prison. Dennis Perkins. Notre exploration des policiers corrompus qui ont dû faire face aux conséquences de leurs actes prend une tournure inquiétante lorsque nous nous penchons sur le CA de Dennis Perkins, un ancien policier de Louisiane. Les crimes de Perkins sont parmi les plus odieux, puisqu'il a été reconnu coupable de crimes sexuels contre des enfants, trahissant ainsi le devoir même qu'il avait juré de respecter. Perkins a accepté une peine de 100 ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour avoir commis une série de crimes sexuels horribles sur des enfants. Il a notamment éjaculé sur des petits gâteaux que sa femme, enseignante, donnait ensuite à manger aux élèves de son collège. Les enquêteurs ont également découvert une photographie du couple dans une pose nue avec un mineur. Perkins a plaidé coupable pour les chefs d'accusation de viol, deux chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans, voyeurisme vidéo et deux chefs d'accusation de pornographie enfantine. En outre, il a été accusé d'avoir mélangé des substances nocives avec sa femme, Cynthia Perkins. Un procès intenté contre Dennis Perkins et le système scolaire de la paroisse de Livingston alléguait que Cynthia Perkins avait filmé son mari en train de fournir du sperme pour les cupcakes servis aux enfants de la Westside Junior High School. L'acte d'accusation initial, dans le chef d'accusation 15, affirmait que le sperme était mélangé à la fois au dessert et aux boissons énergétiques avant d'être servi aux victimes. Perkins a choisi de plaider coupable pour éviter un long procès, épargnant ainsi aux jeunes victimes d'avoir à témoigner et à revivre leurs expériences traumatisantes. Lui et sa femme faisaient face à un total de 150 accusations liées à des crimes sexuels après leur arrestation en 2019. Cynthia Perkins, qui a plaidé coupable de viol au second degré, de production de pornographie enfantine et de complot pour mélange de substances nocives en février 2022, a vu 68 de ses 72 chefs d'accusation abandonnés en échange de son témoignage contre Dennis si son procès avait eu lieu. Elle a été condamnée à une peine de 41 ans de prison, a demandé le divorce et a accusé son mari de l'avoir manipulée pour qu'elle commette CS crime. Elle a démissionné de la Westside Junior High School le lendemain de son arrestation. Le tribunal a reconnu la gravité des crimes de Perkins et a prononcé une peine qui reflétait la gravité de ses délits. Il a été condamné à 100 ans de prison, ce qui garantit qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Cette peine témoigne de l'engagement de la Cour à protéger la société contre les individus qui exploitent leur position de pouvoir pour assouvir leurs propres désirs pervers. Le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, dont le bureau a poursuivi l'affaire, a déclaré « Non seulement il a renoncé à tout droit d'appel, de probation ou de libération conditionnelle et à toute tentative d'éviter la condamnation, mais M. Perkins a également évité aux victimes de revivre ses crimes horribles au cours du procès. » Au tribunal, M. Perkins a présenté ses excuses à ses victimes et à la communauté qu'il servait autrefois. Une déclaration des victimes présentée au tribunal a condamné les actions malades et déplorables de M. Perkins et exprimé leur soulagement de ne plus avoir à l'affronter, lui ou son avocat, dans la salle d'audience. M. Perkins, qui travaillait pour le bureau du shérif depuis 2002 et était commandant de l'unité SWAT de l'agence, et son épouse ont été arrêtés en 2019 à la suite d'une information reçue par le National Centre National pour les enfants disparus et exploités. Michael Dottreau. Le prochain policier corrompu est Michael Dottreau, un ancien officier de police d'Edison, dans le New Jersey. L'histoire de Dottreau est marquée par des crimes choquants, notamment l'incendie criminel, la conspiration en vue de commettre une faute officielle et le harcèlement. Ces actes n'ont pas seulement violé la loi, ils ont aussi trahi la confiance qu'on lui avait accordée en tant que membre des forces de l'ordre. Dottreau, connu pour avoir orchestré des plans de représailles contre ceux qui le contrariaient, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir fait exploser la maison de son supérieur. La condamnation comprend une peine d'emprisonnement de 17 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Dottreau a été reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment d'incendie criminel, de tentative de meurtre et de subornation de témoins, dans une affaire qui a mis en lumière la corruption au sein du service de police. La descente de Dottreau dans la corruption a commencé par une vendetta personnelle. Il s'en est pris à son supérieur, le chef adjoint Mark Anderko, en détruisant sa maison à l'aide d'une bombe incendiaire en 2013. L'attaque a résulté de la colère de Dottreau à la suite d'un changement d'équipe et d'une évaluation de l'aptitude au travail après des plaintes pour usage excessif de la force déposée contre lui. Il a admis son rôle dans l'affaire de l'incendie criminel, ce qui faisait partie de l'accord de plaidoyer. Cet incendie criminel n'a pas seulement mis des vies en danger, il a aussi révélé les dessous sombres du personnage de Dottreau. Mais ses activités criminelles ne se sont pas arrêtées là.
Outre l'incendie criminel, Dautreau a été accusé de faute professionnelle dans une affaire distincte liée à la cyberintimidation, à l'accès illégal à une base de données et au creusement des pneus de la voiture d'une femme. Il a également été accusé de possession d'armes prohibées et de délits liés à la drogue. Poussé par l'obsession, Dautreau a adopté un comportement de harcèlement à l'égard de son ancienne petite amie. Il a utilisé sa position d'officier de police pour l'intimider et la harceler, lui causant une peur et une détresse immenses. Son abus de pouvoir constitue une violation manifeste de la confiance du public et une trahison de son devoir de protection et de service. Confronté aux preuves retenues contre lui, Dautreau n'a eu d'autre choix que de plaider coupable de plusieurs chefs d'accusation. Le tribunal a reconnu la gravité de ses crimes et a prononcé une peine à la hauteur du préjudice qu'il avait causé. Dautreau a été condamné à 20 ans de prison, une peine qui reflète la gravité de ses délits. L'affaire Michael Dautreau nous rappelle avec effroi les dangers d'un pouvoir incontrôlé et les conséquences dévastatrices de la corruption au sein des forces de l'ordre. Elle souligne l'importance de tenir les personnes en position d'autorité responsables de leurs actes. Les victimes des crimes de Dautreau méritent justice, et c'est grâce au système judiciaire qu'elles peuvent trouver un semblant d'apaisement. L'histoire de Dautreau souligne également la nécessité de poursuivre les efforts visant à éradiquer la corruption au sein des services de police et à renforcer les systèmes de contrôle et de responsabilité. Il est essentiel de maintenir la confiance du public dans les forces de l'ordre et de veiller à ce que les agents qui abusent de leur pouvoir subissent toute la rigueur de la loi. Wayne Jenkins. Wayne Jenkins est un ancien officier de police et le chef du groupe de travail sur la traçabilité des armes à feu à Baltimore, dans le Maryland. Ce groupe a été créé dans le noble but d'enquêter sur les crimes violents et le trafic illégal d'armes à feu. Mais Wayne Jenkins et son équipe ont profité de leur position pour se livrer à une série d'activités illégales choquantes. Jenkins, qui était autrefois un membre respecté des forces de l'ordre, a succombé à l'attrait du pouvoir et s'est engagé dans une spirale de corruption. L'extorsion, le volume, le trafic de drogue et même la dissimulation de preuves sont devenus la routine pour lui et son équipe. Ils ont utilisé leur autorité pour exploiter et manipuler la communauté qu'ils étaient censés protéger. Des vies innocentes ont été ruinées et la confiance dans les forces de police a été brisée. En 2017, l'arrestation et l'inculpation de Jenkins et de 6 membres de l'unité d'élite Gun Trace Task Force à Baltimore ont choqué la ville. 6 agents ont été accusés de racket fédéral pour toute une série de crimes, notamment des violations des droits civils, des vols, du trafic de drogue et des fraudes aux heures supplémentaires. Jenkins était un policier très apprécié, célèbre pour sa capacité à capturer les trafiquants de drogue et les armes à feu. Cependant, il était également à la tête d'une entreprise criminelle au sein des forces de police. L'histoire révèle la double vie de Jenkins, celle d'un agent respecté des forces de l'ordre et celle d'un criminel. Avant les inculpations, Jenkins avait fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour mauvaise conduite entre 2006 et 2009, et les plaignants avaient obtenu gain de cause dans 3 d'entre elles. Malgré ces poursuites et les preuves vidéo provenant des caméras corporelles suggérant des actes répréhensibles, Jenkins n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part du service de police. Il était connu pour ses arrestations, mais avait souvent du mal à obtenir des condamnations devant les tribunaux. Jenkins a commencé à voler de la drogue et à commettre des cambriolages de grande envergure, tout en gagnant un revenu substantiel, en partie grâce à la fraude aux heures supplémentaires. Certains membres de son équipe avaient également été impliqués dans des vols avant de rejoindre la Gun Trace Task Force. En fin de compte, le CA de Jenkins et de la Gun Trace Task Force met en lumière les conséquences d'un pouvoir incontrôlé et d'une culture permissive au sein d'un service de police qui ont permis la persistance d'un comportement criminel généralisé pendant des années. Mais la justice a une façon de se rattraper, même avec ceux qui portent un badge. Le règne de corruption de Jenkins a pris fin lorsqu'il a finalement été arrêté. Les preuves contre lui étaient accablantes et ne laissaient aucune place à l'évasion. Devant un tribunal, il a été reconnu coupable de ses crimes et condamné à 25 ans de prison fédérale. La sévérité de la peine de Jenkins reflète la gravité de ses délits. Le tribunal a reconnu l'impact dévastateur de ses actes sur la communauté et la nécessité urgente de le faire répondre de ses actes. Derrière les barreaux, Jenkins devra faire face aux conséquences de sa trahison, entouré de ceux qu'il avait juré de protéger. Len Davis. Len Davis, ancien policier de la Nouvelle-Orléans, né le 6 août 1964, a été reconnu coupable d'avoir conspiré avec un assassin pour priver un habitant de ses droits civiques par le biais d'un meurtre. Dans la communauté, Davis était connu sous le nom de Robocop en raison de sa taille imposante et de désirs terroristes, en raison de son approche policière agressive. Il a connu une histoire mouvementée au sein du service de police, avec 6 suspensions et 20 plaintes entre 1987 et 1992, mais il a notamment reçu la médaille du mérite du service en 1993. En 1994, Davis a été démasqué lors d'une opération d'infiltration du FBI pour avoir dirigé un racket de protection visant les trafiquants de cocaïne de la ville.
il avait extorqué de l'argent à un trafiquant de drogue qui travaillait comme informateur du FBI. 9 autres officiers de police, dont 2 ont témoigné plus tard contre Davis, ont été inculpés pour avoir participé à l'association de malfaiteurs. 20 autres policiers de la Nouvelle-Orléans ont été impliqués dans cette affaire, mais l'enquête a été interrompue en raison du meurtre de Kim Groves. Davis a fait l'objet d'autres condamnations pour des faits liés à la drogue, tandis que les autres policiers ont plaidé coupables. Les actes violents de Davis se sont poursuivis lorsqu'il a battu un jeune homme à la Nouvelle-Orléans, le prenant pour un suspect impliqué dans la fusillade d'un policier. Kim Groves, une habitante du quartier âgée de 32 ans et mère de 3 enfants, a été témoin de l'agression et a déposé une plainte auprès de la police de la Nouvelle-Orléans. Davis a été informé de la plainte par un autre policier et a conspiré avec un trafiquant de drogue local, Paul Hardy, pour assassiner Groves. Hardy a exécuté le meurtre le 14 octobre 1994, un jour seulement après que Groves ait déposé sa plainte. Un troisième individu, Damon Causey, a dissimulé l'arme du crime, un pistolet 9 mm. En 1996, Davis a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation fédéraux en matière de droit civil, à savoir d'avoir ordonné à Hardy de tuer Groves et de subornation de témoins. Il a d'abord été condamné à la peine de mort, mais celle-ci a été annulée lorsque la condamnation pour subornation de témoins a été invalidée. Un autre jury a de nouveau condamné Davis à la peine de mort le 27 octobre 2005. Il est actuellement dans le couloir de la mort, au niveau fédéral, et incarcéré au pénitencier américain de Terre Haute, dans l'Indiana. Paul Hardy, reconnu coupable de conspiration en vue de violer les droits civils de Groves et de subornation de témoins, avait initialement été condamné à la peine de mort, mais sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité en 2011 après qu'il a été considéré comme souffrant d'une déficience intellectuelle. Damon Causey, reconnu coupable de complot fédéral et de violation des droits civiques de Groves, a été condamné à la réclusion à perpétuité après avoir refusé une négociation de peine qui lui aurait valu une peine de 6 à 9 ans d'emprisonnement. En 2018, la ville de la Nouvelle-Orléans a réglé un procès avec les 3 enfants de Groves pour un montant de 1,5 million de dollars. En octobre 2022, 3 hommes condamnés à tort pour meurtre sur la base d'un faux témoignage de Davis ont été libérés après 28 ans d'incarcération. Davis était également impliqué dans ce meurtre. En décembre 2022, un autre homme a été libéré de prison après plus de 30 ans, après avoir été condamné à tort sur la base d'un faux témoignage de Davis. Antoinette Franck. Antoinette Renée Franck, ancien officier de la police de la Nouvelle-Orléans, a commis un violent volume à main armée dans un restaurant le 4 mars 1995. Ce volume a conduit au meurtre de 2 membres de la famille vietnamienne-américaine propriétaire du restaurant et de l'officier de la NOPD, Ronald A. Williams Dunne. Frank a été aidé par son probable amant, le trafiquant de drogue Rogers Lacaze. Elle est incarcérée à l'Institut correctionnel pour femmes de Louisiane, à Saint-Gabriel, et est la seule femme dans le couloir de la mort de cet État. La chaîne des événements a commencé lorsque Frank s'est occupé d'un incident impliquant Rogers Lacaze, un trafiquant de drogue connu, qui avait été abattu le 25 novembre 1994. Cette rencontre a marqué le début de leur relation, qui a évolué d'une tentative d'aider Lacaze à une relation amoureuse. Malgré les risques pour sa carrière, Frank a poursuivi sa relation avec Lacaze, qui était impliquée dans des activités criminelles. L'association de Frank avec Lacaze est devenue évidente pour d'autres officiers de police, ce qui a donné lieu à plusieurs CA où ils ont vu Lacaze conduire sa voiture et même déplacer son unité de police sur une scène sur laquelle elle enquêtait. Ils ont souvent arrêté et volé des automobilistes alors qu'ils se trouvaient dans une voiture de police. Au petit matin du 4 mars 1995, Frank et Lacaze se sont rendus dans un restaurant vietnamien appartenant à la famille Vu. Frank y avait déjà travaillé en dehors de 16 heures de travail en tant qu'agent de sécurité. Au cours de cette visite, ils ont commis un volume qui s'est soldé par le meurtre des membres de la famille et d'un collègue policier. Frank et Lacaze s'étaient rendus au restaurant à plusieurs reprises au cours de la nuit pour se procurer de la nourriture. Chauvu, un membre de la famille, a senti que quelque chose n'allait pas et lorsque Frank est entré dans le restaurant pour la 3e fois, elle a commencé à attaquer. En conséquence, Chau a été obligé de cacher de l'argent pendant que Williams, l'officier de police, essayait de comprendre ce qui se passait. Lacaze, caché derrière Williams, lui a tiré dessus. D'autres coups de feu ont été tirés, conduisant au meurtre d'autres membres de la famille dans le restaurant. Après les meurtres, Frank et Lacaze ont fui les lieux, mais Frank est revenu, se faisant passer pour un agent de police, afin d'éliminer les témoins. Son intention était de tuer les témoins restants. Chau a réussi à s'échapper et a informé les policiers qui arrivaient sur les lieux de l'implication de Frank. Frank a été arrêté et inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Eddie Rantz, l'inspecteur de la brigade criminelle, pense que le cambriolage avait pour but de se venger de Williams. Frank a été reconnu coupable et formellement condamné à mort, ce qui fait d'elle le premier officier du NOPD à être accusé du meurtre d'un collègue. Lacaze a également été reconnu coupable et condamné à mort. En 2023, une tentative de Frank d'obtenir la clémence a échoué lors d'une réunion de la Commission des grâces de Louisiane.
la demande d'audience de Clémence de Franck a été rejetée par 2-2 à la suite d'un témoignage chargé d'émotion. Cette décision faisait partie d'un groupe de 5 CAS présentés au comité dans le cadre d'une initiative du gouverneur John Bel Edwards, un démocrate opposé à la peine de mort. Daniel Holtzclaw. Daniel Holtzclaw, ancien officier de police, a fait l'objet d'un procès le 2 novembre 2015, au cours duquel il a été inculpé de 36 chefs d'accusation, dont coups et blessures sexuelles, agressions, harcèlement et sodomie orale forcée. Holtzclaw a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Les procureurs ont présenté des preuves ADN trouvées à l'intérieur du pantalon d'uniforme de Holtzclaw, qui correspondait à l'une des victimes. Au cours du procès, Holtzclaw n'a pas contesté avoir rencontré les femmes, mais il a clamé son innocence en mettant l'accent sur le mode de vie des accusatrices. Il a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, dont viol au premier degré, agression sexuelle, harcèlement et attentat à la pudeur, et le jury a recommandé une peine d'emprisonnement de 263 ans. Au cours de son enquête, l'accusation a recueilli le témoignage de 13 femmes. Il est important de noter que les rapports disponibles ne contiennent pas de détails sur les autres femmes qui auraient choisi de ne pas témoigner. L'incident le plus ancien qui a été mis en lumière s'est produit le 20 décembre 2013. Dans cette affaire, une femme affirme avoir été arrêtée pour possession de drogue, puis hospitalisée et soumise à des rapports sexuels oraux forcés alors qu'elle était menottée à son lit d'hôpital. Elle a affirmé que M. Holtzclaw avait continué à lui faire des avances sexuelles injustifiées à plusieurs reprises après sa sortie de prison. La femme a déclaré lors d'une audience préliminaire qu'on lui avait fait croire qu'en pratiquant une fellation sur Holtzclaw, elle obtiendrait sa libération. Elle s'est dite convaincue que personne ne la croirait et que tous les agents des forces de l'ordre travaillaient à l'unisson. Devant un tribunal, Holtzclaw a dû faire face aux conséquences de ses actes. Le jury l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et le juge a prononcé une peine qui reflétait la gravité de ses crimes. Holtzclaw a été condamné à une peine stupéfiante de 263 ans de prison, ce qui signifie qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. L'avocat de Holtzclaw a demandé un nouveau procès, alléguant que des preuves avaient été dissimulées à la défense. Mais le juge a rapidement rejeté la demande. Après sa condamnation, les informations relatives à Holtzclaw ont été retirées du site internet de l'administration pénitentiaire de l'Oklahoma et il a été détenu sous un pseudonyme dans une prison d'État de l'Oklahoma dont l'identité n'a pas été révélée. Lors d'une interview en 2016, M. Holtzclaw a continué à clamer son innocence. L'affaire a retenu l'attention des médias et a soulevé des questions sur la responsabilité des forces de l'ordre et les agressions sexuelles aux États-Unis. Le 1er août 2019, la Cour d'appel pénale de l'Oklahoma a rendu un avis unanime, rejetant l'appel de Daniel Holtzclaw. La décision, rédigée par la juge Dana Quinn, a rejeté les arguments présentés par l'équipe juridique de Holtzclaw concernant l'insuffisance des preuves et le regroupement des 36 chefs d'accusation. L'avis rejette également les allégations d'une atmosphère de cirque pendant le procès, soulignant que le jury a rendu des verdicts de non-culpabilité pour la moitié des chefs d'accusation. Dans une déclaration distincte approuvant la décision, le juge-président David B. Lewis a qualifié Holtzclaw de prédateur sexuel. En réponse, la famille et les partisans de M. Holtzclaw ont publiquement critiqué M. Lewis, dénonçant sa description comme une affirmation vicieuse et fausse. Par la suite, le 9 mars 2020, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande d'ordonnance de certiorari présentée par M. Holtzclaw. Zachary Wester. Zachary Wester, un ancien adjoint du bureau du shérif du comté de Jackson, âgé de 26 ans, a été arrêté par des agents du ministère de l'application des lois de Floride sur la base de plusieurs chefs d'accusation. Les chefs d'accusation comprennent le racket, l'inconduite officielle, la fabrication de preuves, la possession d'une substance contrôlée, la séquestration, le délit de parjure, la possession d'une substance contrôlée et la possession d'un attirail de stupéfiants. L'arrestation de Wester a eu lieu à Crawfordville, en Floride. L'enquête, ouverte à la demande du bureau du shérif du comté de Jackson, a révélé une série de comportements répréhensibles de la part de Wester. Il arrêtait régulièrement des personnes pour des infractions mineures au code de la route, plaçait de la drogue dans leur véhicule et les arrêtait ensuite pour de fausses accusations liées à la drogue. En outre, M. Wester s'est soustrait à la politique de la GCSO en matière de caméras corporelles et a manipulé les enregistrements pour dissimuler ses activités illicites. Les preuves contre Wester sont accablantes. Les images des caméras corporelles, les témoignages et les analyses médico-légales indiquaient tous sa culpabilité. L'ampleur de sa corruption a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et soulevé des questions quant à l'intégrité de l'ensemble du système d'application de la loi. Lorsque la vérité a enfin été révélée, Wester a dû répondre de ses crimes. Il a été condamné à 12 ans de prison, une peine qui visait à refléter la gravité de ses délits. Cependant, pour les victimes dont les vies ont été bouleversées par ses actes, les cicatrices dureront bien plus longtemps. L'une d'entre elles, Teresa Odom, a exprimé l'impact des actes de Wester lors d'une déclaration au tribunal. Elle a déclaré «
Vous m'avez privé de ma crédibilité et de mon rôle de mère et de grand-mère au cours des 2 dernières années et demie. Je ne vous souhaite aucun mal, mais vous ne saurez jamais ce que vous m'avez fait tant que vous n'aurez pas d'enfant. » Au cours de l'enquête, les agents du FDLE ont visionné plus de 1300 minutes d'enregistrement vidéo et ont consacré plus de 1400 heures de travail à l'affaire. Wester a été condamné à plus de 12 ans de prison pour avoir déposé de la drogue sur plusieurs automobilistes. En mai, il a été reconnu coupable de 19 chefs d'accusation, allant de délits tels que le racket, les fautes professionnelles, la fabrication de preuves et la séquestration, à des délits mineurs tels que la possession de substances contrôlées, d'attirail de drogue et le parjure. Bien qu'il ait été inculpé de 67 chefs d'accusation au total, il a été acquitté de la plupart d'entre eux à l'issue d'un procès d'une semaine dans le 14e circuit judiciaire de l'État qui englobe les comtés de Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson et Washington. Lors de la détermination de la peine, le procureur Tom Williams a demandé une peine de 15 ans de prison pour Wester, soit près de 10 ans de plus que la peine prévue par la loi, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des circonstances environnantes. Monsieur Williams a fait valoir que les dossiers judiciaires falsifiés par Monsieur Wester avaient entraîné la condamnation injustifiée d'innocent dans le même tribunal que celui où il a été reconnu coupable, décrivant ses actes comme une violation flagrante de la confiance du public. Braulio González. Braulio González, ancien lieutenant de la police de Miami-Dade. Les crimes de González sont non seulement choquants, mais aussi profondément troublants, car ils impliquent l'agression sexuelle de jeunes filles, dont l'une était un membre de la famille. González a été arrêté en 2018 lorsqu'une fillette a révélé à un psychologue qu'il l'avait caressée à plusieurs reprises entre l'âge de 8 et 10 ans. Elle a également signalé au Florida Department of Children and AMP Families que González avait pointé une arme sur elle et menacé de tuer un membre de sa famille si elle révélait les abus. Une autre sœur s'est également manifestée, déclarant avoir été victime d'attouchement de la part de González. González a été condamné à la prison à vie pour avoir abusé de 2 jeunes filles qui ont aujourd'hui une 20aine d'années. La sentence a été prononcée par Miguel de la Haut, juge du circuit de Miami-Dade, qui a déclaré que cette affaire ne serait pas close et a souligné la dissonance cognitive de ceux qui ont continué à défendre González. Les charges retenues contre González étaient graves, l'accusant d'attouchements obscènes et lascifs sur un enfant et d'enlèvement. Ces actes de trahison ont brisé la confiance qu'on lui avait accordée en tant qu'agent des forces de l'ordre et ont déchiré la vie des victimes et de leurs familles. Les preuves contre González étaient irréfutables et ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Le tribunal a reconnu la gravité de ses crimes et a prononcé une peine qui reflétait la gravité de ses délits. González a été condamné à la prison à vie, ce qui garantit qu'il n'aura plus jamais l'occasion de nuire à autrui. Les procureurs ont fait valoir que González avait mené une double vie, le décrivant comme un individu très violent et dangereux dans l'ombre. Bien qu'il travaille pour le département de police de Miami-Dade, Braulio González ne s'est pas adressé à la cour et ne s'est pas excusé auprès des victimes pendant le prononcé de la sentence. Le cas de Braulio González nous rappelle avec effroi les ténèbres qui peuvent se cacher dans les rangs de ceux qui sont censés protéger et servir. Elle souligne la nécessité de mettre en place des systèmes solides de contrôle et de responsabilité au sein des forces de l'ordre afin de prévenir de tels abus de pouvoir. Lors de la condamnation, les victimes ont expliqué comment González avait brisé leur vie, soulignant qu'il avait blessé de nombreuses personnes pendant une longue période et qu'il avait toujours réussi à échapper à l'obligation de rendre des comptes. Les dossiers internes de la police, tels que rapportés par le journal, indiquaient que González avait fait l'objet de multiples allégations d'abus sur ses anciennes amantes, mais que la police de Miami-Dade l'avait blanchi de ces accusations. La mère des victimes s'est dite convaincue qu'il ne changerait jamais. David Carrick. David Carrick est un ancien officier de police britannique. Il a abusé et agressé sexuellement plusieurs femmes rencontrées sur des applications de rencontres, trahissant de manière choquante leur confiance et violant totalement la loi. Carrick, qui a commis au moins 12 agressions sexuelles contre des femmes, a été condamné à la prison à vie. Âgé de 48 ans, Carrick, un officier chargé de surveiller les sites parlementaires et diplomatiques, a été condamné à une peine minimale de 30 ans pour sa série de crimes qui a duré 17 ans, dont 48 viols et de nombreux autres délits graves. Entre 2003 et 2020, l'ancien policier Carrick a abusé et violé de nombreuses femmes rencontrées sur des applications de rencontres telles que Badoo et Tinder, principalement dans le Hertfordshire, en Angleterre. Il a exploité son rôle de policier armé pour manipuler et contrôler ses victimes, les soumettant à des abus physiques et sexuels, à la dégradation et à l'emprisonnement. Dans certains cas, il leur dictait leur tenue vestimentaire, leur alimentation et l'endroit où elles dormaient. En octobre 2021, une femme a déclaré avoir été violée par M. Carrick 1 an auparavant, ce qui a entraîné son arrestation et sa suspension de la police. D'autres victimes se sont alors manifestées. Carrick avait eu recours à l'intimidation et à sa position de policier pour maintenir le silence parmi ses victimes. En décembre 2022,
Carrick a plaidé coupable pour un total de 53 chefs d'accusation, dont 28 pour viol, concernant 12 victimes féminines. Il a ensuite été condamné à 36 peines d'emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale de 30 ans, ce qui le rendra éligible à une libération conditionnelle le 2 mai 2050. Les crimes de Carrick, décrits comme une chute spectaculaire, ont été commis alors qu'il était agent de police. Il a utilisé des objets appartenant à la police, tels que des menottes et des armes à feu, pour asseoir son autorité et forcer le respect de la loi. Sa position de pouvoir lui a permis de trahir son serment de protéger le public et a causé une dévastation irrémédiable dans la vie des femmes qu'il a agressées. Le juge a déclaré que les femmes n'étaient pas faibles et que leur capacité à se manifester constituait un pas important vers la justice. Carrick doit purger une peine minimale de 32 ans, en tenant compte du temps passé en détention, avant de pouvoir être remis en liberté. Une enquête de police en cours vise à découvrir d'autres victimes. L'affaire a mis en évidence des défaillances dans la gestion de Carrick par la police métropolitaine et une enquête gouvernementale est en cours à ce sujet. Les survivants ont parlé de la culture masculine dominante au sein de la police qui protégeait l'auteur des faits, soulignant la nécessité de réformes plus larges. Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, s'est engagé à réformer les forces de police et a reconnu que la confiance avait été ébranlée par les actions de Carrick. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exprimé son soutien aux réformes en cours. Le Crown Prosecution Service a encouragé d'autres victimes de violences sexuelles à se manifester, en soulignant sa volonté de faire en sorte que les auteurs de CES Act répondent de leurs actes. Cette affaire souligne l'importance pour les victimes de signaler leurs expériences, même si elles craignent de ne pas être crues ou d'être stigmatisées par la société. Kenneth Blue. Kenneth Blue est un ancien officier de police du Michigan qui a notamment assassiné Jennifer Webb, une femme enceinte. Les actes de Blue étaient non seulement odieux, mais aussi une trahison totale du serment qu'il avait prêté pour protéger et servir. Blue a été condamné à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre par strangulation de sa petite amie enceinte, Jennifer Webb, qu'il a maquillée en suicide. Le juge Darnell Jackson de la cour de circuit du comté de Saginaw l'a également condamné à une peine de 65 à 100 ans de prison pour la mort du fils à naître de Jennifer Webb. Le juge a outrepassé les lignes directrices relatives à la détermination de la peine en raison d'une accusation d'agression liée au fœtus. Les détails du meurtre de Jennifer Webb sont vraiment horribles. Blue lui a tiré dessus et l'a laissé mourir sans ménagement, faisant preuve d'un mépris total pour la vie humaine. SES Act ont non seulement privé Jennifer de son avenir, mais ils ont également dévasté ses proches et la communauté dans son ensemble. Les preuves contre Blue étaient accablantes et ne laissaient aucune place au doute quant à sa culpabilité. Le tribunal a reconnu la gravité de ses crimes et a prononcé une peine qui reflétait la gravité de ses délits. Blue a été condamné à la prison à vie, ce qui garantit qu'il passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Monsieur Blue était en compagnie d'un autre policier lorsque le corps de Madame Webb, âgée de 32 ans, a été découvert le 30 août 2011 près d'un fossé de drainage dans le canton de Buena Vista, dans le Michigan. Madame Webb avait une rallonge électrique enroulée autour de son cou, reliée à la galerie de toit de son véhicule utilitaire sport. Un médecin légiste a déclaré que la mort de Madame Webb était due à une compression du cou et non à un suicide par pendaison, comme l'avait d'abord indiqué la police de Buena Vista. Les relevés de téléphone portable ont ensuite permis d'établir un lien entre Madame Webb et Monsieur Blue, et un test ADN a confirmé qu'il était le père de l'enfant à naître. Les parents de Madame Webb ont déclaré que l'officier marié était le père de l'enfant de leur fille et ont dit espérer que Monsieur Blue quitterait sa femme. Au tribunal, la mère de Dawn Webb s'est adressée à Blue, décrivant l'impact de ses actes sur ceux qui lui faisaient confiance et exprimant son souhait qu'il contemple les conséquences de ses actes odieux. Le juge Jackson a fait état des preuves accablantes de la culpabilité de Blue et de la préméditation du meurtre. Il a souligné que Blue avait non seulement comploté et planifié le meurtre de Webb, mais aussi celui de son bébé, qui était inévitable lorsqu'il l'a tué. Blue avait attendu le bon moment pour commettre son crime odieux et de sang-froid. Wayne Cousins. Wayne Cousins est un ancien officier de la police métropolitaine du Royaume-Uni. Les crimes de Cousins sont parmi les plus horribles, puisqu'ils impliquent l'enlèvement, l'agression sexuelle et le meurtre de Sarah Evrard, une jeune femme qui rentrait simplement chez elle à pied. Monsieur Cousins a été condamné pour s'être exhibé devant des femmes à trois reprises avant l'enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Evrard en 2021. Deux de ces incidents se sont produits dans un fast-food, dont l'un quelques jours avant qu'il ne tue Evrard, et un autre s'est produit alors qu'il était en service en tant qu'officier de police. Au cours de l'audience, il a été révélé qu'en novembre 2020, Monsieur Cousins s'était placé sur le chemin d'une cycliste alors qu'il était nu et se masturbait dans une zone boisée du Kent, alors qu'il était censé travailler à domicile. En février 2021, il a exposé son pénis en érection au personnel d'un fast-food à deux reprises alors qu'il allait chercher de la nourriture dans sa voiture. Monsieur Cousins a comparu par liaison vidéo depuis la prison pour le prononcer de la peine.
Il a également plaidé non coupable pour une quatrième accusation d'attentat à la pudeur lors d'un incident présumé survenu en juin 2015. Toutefois, il ne sera pas jugé pour ce chef d'accusation qui a été laissé en suspens. L'affaire Cousens et le meurtre d'Evrard ont entraîné une baisse significative de la confiance du public dans la police métropolitaine, car elle a suscité des inquiétudes quant à la manière dont la police gérait les violences faites aux femmes et des allégations de culture misogyne et protectrice parmi ses agents. Les critiques à l'égard de la police métropolitaine se sont intensifiées après le meurtre d'Evrard, car il est apparu que les signaux d'alarme concernant le comportement de Cousens n'avaient pas été pris en compte plus tôt. La police a également été critiquée pour la manière dont elle a géré la veillée en l'honneur d'Evrard et pour le traitement qu'elle réserve aux femmes en général. Le commissaire de la police métropolitaine, Mark Rowley, a présenté ses excuses pour les manquements qui ont permis à M. Cousens d'échapper à la justice pendant si longtemps et a exprimé ses regrets d'avoir laissé tomber les femmes. Il a annoncé un examen de tous les employés qui avaient donné des signaux d'alarme, reconnaissant la nécessité d'une diligence accrue pour préserver l'intégrité de la police. Un rapport publié à l'automne dernier a révélé qu'il fallait en moyenne 400 jours, soit plus d'un an, pour résoudre les allégations de mauvaise conduite de la police lorsqu'une plainte était déposée par un membre de la famille ou un collègue policier. Les détails de l'enlèvement et du meurtre de Sarah Evrard font froid dans le dos. Monsieur Cousens, qui était censé protéger et servir, a utilisé sa position d'autorité pour commettre des actes de violence inqualifiables. Esses actes n'ont pas seulement privé Sarah de sa vie, mais ont également brisé le sentiment de sécurité au sein de la communauté. Michael Valva. Michael Valva est un ancien officier de police de la ville de New York. Les crimes de Valva sont tout simplement horribles, puisqu'ils impliquent le meurtre au second degré de son propre fils de 8 ans. Valva a été reconnu coupable de la mort en 2020 de son fils Thomas, âgé de 8 ans, qu'il avait enfermé dans un garage non chauffé pendant la nuit. Il a accepté la sentence en pleurant, exprimant ses profonds remords et son chagrin pour ses actes. Monsieur Valva a admis avoir manqué à ses devoirs envers ses fils, reconnaissant que sa négligence et ses mauvais traitements avaient entraîné la mort tragique de Thomas par hypothermie. Les jurés ont commenté la manifestation d'émotion de Valva pendant la sentence, certains exprimant des doutes quant à ses remords, compte tenu de son manque d'émotion pendant le procès et de la nature odieuse de ses actes. Les détails de cette affaire tragique sont déchirants. Valva a soumis son fils à des sévices inimaginables, à la négligence et, en fin de compte, à une mort cruelle et insensée. La personne même qui était censée protéger et prendre soin de son enfant est devenue l'auteur d'une violence indescriptible. Les preuves contre Valva étaient accablantes et ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Le tribunal a reconnu la gravité de ses crimes et l'a condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement à perpétuité. Cette peine reflète la gravité de ses délits et garantit qu'il passera une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Le juge a reconnu la tristesse de Valva et a déclaré qu'il ne pensait pas que Valva avait l'intention de tuer Thomas. Cependant, il a souligné la contrainte prolongée que les enfants ont subie et, en tant qu'ancien officier de la police de New York, les actions de Valva ont été jugées déraisonnables. Le cas de Michael Valva nous rappelle avec effroi jusqu'où peuvent descendre certains individus, même ceux qui sont censés faire respecter la loi. Elle met en évidence le besoin urgent de systèmes solides de surveillance et de soutien pour les personnes vulnérables, en particulier les enfants, afin d'éviter que de telles tragédies ne se produisent. Ce chaos choquant nous rappelle qu'il est important de demander des comptes aux policiers corrompus. Rejoignez-nous pour plus de contenu révélateur en cliquant sur les cartes sur votre écran.